Suite à la mort de l'empereur Kome le 30 janvier 1867, le prince impérial Mutsuhito monta sur le trône impérial. Afin de proclamer l'arrivée d'une nouvelle ère, le gouvernement Meiji souhaita organiser une cérémonie d'intronisation adaptée à cette époque de grands changements, et l'ancien rituel d'intronisation de style chinois fut entièrement remanié. Lors de la cérémonie, un globe a été utilisé comme symbole de la nouvelle ère, avec la signification de faire connaître le pouvoir impérial au monde. C'est sous son règne que le Japon est entré dans la modernité. La restauration Meiji a permis au Japon de passer d'une société féodale à une société moderne, en créant une nation unifiée, en rompant avec les anciennes traditions, et en développant une armée capable de rivaliser avec les plus grandes puissances mondiales. En quelques décennies seulement, ce petit pays isolé et archaïque est devenu l'une des nations les plus puissantes au monde.